J'entends bien, hein, on demande de plus en plus de faire travailler les gens jusqu'à 67 ans, mais tous les députés ici de droite présents ici aujourd'hui, deux tiers, peuvent partir à 55 ans en pension. Les ministres présents ici aujourd'hui peuvent partir à 55 ans en pension. Ça me semble assez facile, hein. Demander aux autres de faire des choses que soi-même ne devons pas faire. Vous qui gagnez 5000 euros par mois, vous allez faire la leçon à tous ces travailleurs. 5000 euros per maand. En toch de les gaan spelen, aan geldjaarsbeheerders en bedienenden en MBS. Dat zij te veel verdienen. Vous devriez avoir honte. Vraiment, au niveau de ces primes de départ, on peut pas continuer comme ça. On peut pas. 400 000 euros pour partir, ça ne va pas. Ça ne va pas en tenant compte en plus que vous avez déjà des salaires de 6 000 euros par mois. C'est ça qui est fou. On peut pas demander des sauts d'index aux gens, on ne peut pas demander de bosser jusqu'à 67 ans et soi-même ne pas l'appliquer à soi-même. Que vous demandez aux fonctionnaires, vous ne vous l'appliquez pas à vous-même. Et ça, c'est vraiment scandaleux. C'est ce deux poids, deux mesures. Publifin, 500 euro per minuut voor een vergadering waar niks besloten wordt. Kazakhgate, hoeveel was dat? 2000 euro per uur. Publipart, hoeveel was dat? 19.000 euro per jaar. Telenet, 12.000 euro in de pocket plus 2000 per vergadering, beste collega's. Maar wat zijn we hier bezig? Dat is gemakkelijk natuurlijk als politici, hè? Gemakkelijk voor een indexpunt te stemmen, dat is gemakkelijk. Als zoveel verdiend wordt, dat is allemaal gemakkelijk. BTW, accijnzen die naar boven gaan stemmen, dat is gemakkelijk. Dat is allemaal gelijk, meneer de voorzitter. 305.000 euro per jaar verdienen en dan nog 12.000 erbij, is dat verantwoordelijk, meneer de voorzitter? De burger vandaag verwacht iets anders van de politici. De burger vandaag verwacht dat politici leven zoals zij leven. Wij leven door met de Partij van de Arbeid, met een normaal werknemersloon. Wij weten wat dat wil zeggen, elke einde van de maand, wat dat wil zeggen als wij 100 euro BTW bij moeten betalen. Wij weten dat.